Est-ce que c'est un péché lié pour marier avec un monde qui n'est pas chrétien? Pas oublier que ça les questions tabou. Les questions tabou, c'est des questions pas vraiment posées dans l'église, dans la société. C'est des questions qui là, mais pas posées, les mêmes potes pour nous là. Questions tabou. J'aime ça dire non. Je veux dire, on a parlé questions que nous avons sur la table. Est-ce que c'est un péché lié pour un chrétien marié avec un monde qui n'est pas chrétien? Est-ce qu'ils sont péchés que est-ce qu'on a venu même cher? Parce que je dis cher dans chez le marié, nous tous les deux venons seuls. Est-ce qu'on a venu même cher avec nous là, même corps, ok, avec un monde qui pas partager même foi ensemble avec vous? Les gars la foi non bagarre, même gars la foi dans bon Dieu, dans Jésus. Est-ce que les bon pour ta marier ensemble avec nous? En d'autres termes, est-ce qu'on est capable d'associer est-ce qu'on va associer durablement avec un monde qui pas chrétien? C'est ça, oui. Nous venons parler là en nous gardant ensemble même. Un couple qui marié, c'est un couple qui choisit pour marcher ensemble, pour prendre même direction, pour courir à la même vitesse et puis pour faire TV ensemble. C'est raison ça qui fait Bible a dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel part a le fidèle avec l'infidèle? 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Dans le passage, ça, Paul parle nous de toute forme d'association qu'un chrétien est capable d'engager avec un autre. Et toute recommandation, ça, montre à clair que l'homme non avec femme non vient une seule chair. C'est raison ça qui fait que il dit l'homme quittera père et mère pour se lier à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Nous pas deux non, c'est vrai que on fille un garçon marié, c'est deux mondes, nous pas deux non, mais n'a plus un seul. Que l'homme ne dissocie donc pas une unité que Dieu lui-même a créée. Marc 10, verset 7 à 9. Verset ça lui-même, là, il est même plus loin que ça que nous sommes capables d'imaginer. Il dit que c'est Dieu lui-même qui unit les époux. C'est bon Dieu même qui unit deux mondes. Ils ont filié avec Marie aussi longtemps que Marie la vive. Mais si Marie mourit, il est libre pour lui remarier. Et s'il voulait. Mais que ce soit dans le Seigneur. Yo dit yon fille, mais c'est certainement li valable pour garçon en tout. Même j'en garde yon fille liye aussi longtemps et que li marié avec Maril. Si Maril mourit, li libre. C'est comme ça tout m'a dit. Le contraire là, c'est pour garçon. Hein? Un garçon lié, c'est vice versa. Mais yo précise, yo dit une femme. Elle est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Et nous sommes capables de lire ça dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Donc, si nous avons bien compris ça que la Bible a dit, la parole de Dieu dit clairement montré que un chrétien avec un non-chrétien, ça ne va pas marcher. Non? Et si on coupe, côté que gagnon qui chrétien et puis gagnon qui pas chrétien, yo persister pour yo marier. Argument moun sa ou toujours, yo souvent avancé, yo toujours dit comme ça que oui nous ka marier, oui même si li poko accepter Jésus, m'a pralé le vin joine moi. Ou jamais ne re mon futur conjoint au Seigneur. m'a ramener le vin joine moi et puis la accepter Jésus même là nous poko l'époque voulait prendre décision mais automatiquement que nous marier là pour aller l'église, il va aller tout etc. C'est argument ça que monde qui les marier ensemble avec un monde qui pas chrétien, nous pas chrétienne, c'est argument ça souvent râler. L'expérience montre clairement que genre de chrétien qui souvent fait raisonnement ça yo en comprenant que il a râler conjoint en bien junior même les que li pourquoi accepter Jésus automatiquement que au marié la bra les bien jeune ni
réflexion ça va jamais kembe. Ça va jamais marcher, li pa marcher vraiment. Ça compte marcher on a dit sous yon échelle de 10, li ka marcher deux fois, tu vois, trois fois, li pa vraiment marcher. Au contraire, et conjoint ou soit conjointe là, li pa accepter Jésus-Christ, les filles mariées. Bon, ça qu'on y veut que c'est moun qui chrétien ou bien chrétienne là qui a joindre moun ça. Li vin commencer par l'église, etc. Jean de moun ça ou toujours joindre en pile difficulté parce que yo vin regrette que yo te fait choix ça, yo te prend décision ça, yo tout yo vin regrette que yo te désobéi. C'est ça qui toujours arrivé dans ce genre de cas, dans ce genre de situation. Ça qu'on rase dans le bagage, ça, c'est que les gens qui marient avec les gens qui ne sont pas croyants dans mon Dieu, les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne sont pas chrétiennes, ça qu'on arrive des fois qu'ils prennent une mauvaise décision, ou obligés à accepter une mauvaise décision, ça, obligés à suivre lui, et surtout si son garçon lui imposer le sou, et obligés à accepter avec décision que mari ou prend. Donc, lui imposer aux décisions, obligé marcher avec décision, même les décisions sont mauvaises décisions. Et si fils a ta résisté avec décision, ça que mari a voulu prendre, soit dans des la a bien discussion, dysfonctionnement, si yo, ça seulement capable tout craser mariage ça sous place. Gayon témoignage Isabelle Rivière Tebaille. Isabelle dit: une des difficultés pour gagner quelqu'un au Seigneur, après avoir établi une relation amoureuse, même dans la chasteté, est la tentation pour le non-chrétien de vouloir se convertir pour plaire à l'être aimé qui veut le conduire à Christ. En conclusion, Sam a dit sur ça: bon Dieu quittez-nous libres. Bon Dieu quittez-nous avec liberté nous pour nous marier avec mon nouvelé. Cependant, désobéir bon Dieu et puis al marier avec un monde qui pas chrétien, avec un non-croyant. Maintenant, t'as tout que la bien conséquence et conséquence ça yo ou doué en mesure pour supporter yo. Et c'est des conséquences que ou capable joindre chaque jour. Balab di an yon video an kon nou, men mwen vle pote yon ti presisyon. Samso di a la, bata vle ke nou pense ke mab jije yon kretien ki marye avèk yon moun ki pa kretien, avèk yon non kretien. E ba sa nou, e ba objektif video an nou.